Allez, salut, salut les gars, c'est toujours moi le Sam Hospita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse qui est la bourse de Taïwan. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, ça sera une bonne opportunité pour vous parce que vous savez déjà que Taïwan c'est un bon pays et puis il y a la qualité aussi de l'enseignement qui est hyper, hyper intéressante. Et ce que je voulais vous dire d'abord, pour ceux qui viennent juste de voir ma vidéo, ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner, s'il vous plaît. Lorsque vous suivez la vidéo, essayez aussi de liker la vidéo, voilà. Essayez de liker la vidéo et si c'est la première fois de vous voir ma chaîne YouTube, essayez aussi de vous abonner. Voilà, donc likez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Voilà, donc, comme je vous le disais, ici c'est la bourse de Taïwan, du gouvernement taïwanais, donc... Pour ceux qui veulent postuler, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler et puis quels sont les éléments que vous devez avoir pour pouvoir postuler. Donc, mais dans un premier temps, je voulais aussi vous montrer rapidement la scolarité pour ceux qui ne vont pas avoir la bourse. Voilà, si vous venez ici, frais de scolarité. Et si vous venez dans futur étudiant, frais de scolarité et frais de subsistance. Donc, ici, si vous cliquez là, vous allez voir que ici, par exemple, voilà, donc frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Vous voyez que les frais de scolarité sont de 39 000 dans leur monnaie. Voilà, donc je vais essayer de traduire un peu leur monnaie par rapport à l'euro ou bien voilà. Donc ici, faculté des sciences, faculté de génie et tout. Et ici, faculté des sciences humaines, je vais dire que ici c'est plus la littérature et ici c'est la science. Donc la littérature, voici un peu les prix qui sont là. Et les frais d'hébergement aussi, c'est ça qui est là. Donc je vais essayer de traduire un peu. Donc je vais aller sur, par exemple comme ça, Google, et je vais mettre comme ça franc taïwanais ou bien franc taïwanais Ok, donc je vais prendre ça comme ça. Voilà, donc nouveau dollar de Taïwan en euros. Donc ici, par exemple, comme ça, si je prends les frais qui sont là, 39 990, et que je copie un peu là, 39 990, ça va faire environ, vous voyez que c'est hyper intéressant, ça va faire environ 1300 ou bien 1310 euros. Et pour une année d'études à 1310 euros, vous voyez que c'est hyper intéressant. Donc pour ceux vraiment qui veulent aller étudier là-bas en Taïwan, voilà, vous avez l'opportunité de le faire. 1330, je crois que c'est hyper moins cher. Voilà, et ici, si je prends l'élément qui est là en ce qui concerne les frais d'hébergement, ça part de 6370 à 16 000. Donc je considère que les 16 000 c'est vraiment hyper occupé et bien fait. Donc 6370, si je prends par exemple comme ça, 6370, vous voyez que les frais d'hébergement, ça fait combien? Ça fait 208 euros. Donc vous comprenez, c'est juste pour vous montrer que là bas il n'y a pas, c'est pas assez cher. Donc pour ceux qui veulent aller postuler, qui veulent aller étudier là bas par les propres moyens aussi, c'est possible. Maintenant, pour nous qui n'avons pas d'argent, pour nous qui n'avons pas de parents assez aisés, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer comme ça de postuler à la bourse. Donc pour postuler à la bourse, vous venez dans bourse ici, voilà, vous venez dans bourse et on va voir les paramètres de bourse. Si vous avez bien remarqué ici, il y a plusieurs types de bourse, vous voyez, il y a plusieurs types de bourse, mais ce qui nous intéresse c'est la bourse qui se trouve ici. Voilà, donc étudiant doctorat, voici ce que l'étudiant doctorat reçoit chaque fin du mois, l'étudiant de master et doctorat, ici l'étudiant de quoi, de la licence. Voilà, donc la bourse prend en compte la scolarité et ici cette bourse doit être réappliquée chaque année. Donc vous voyez, chaque année vous allez appliquer ça à cette bourse là. Dans le système de candidature en ligne pour les étudiants internationaux de l'Université nationale de Taïwan, ici veuillez cocher la sélection demande de bourse, des informations sur la candidature personnelle pour postuler à la bourse d'étudiants internationaux de l'Université de Taïwan. Donc c'est ce qui nous intéresse. Le reste, peut-être après. Et aussi, vous voyez ici, la date est déjà passée ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la bourse d'études des universités nationales de l'Université nationale de Taïwan pour étudiants internationaux.
Voilà, donc c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour les postuler et puis quels sont les documents nécessaires pour pouvoir les postuler. Donc, je viens ici encore dans ici, futur étudiant. Voilà, et je vais essayer comme ça de voir information sur la candidature pour les étudiants étrangers. Donc, je vais venir là pour voir un peu l'admission. Et puis, par rapport à l'admission, vous allez postuler aussi à la bourse. Donc, ici, par exemple, comme ça, par exemple, c'est comme ça, pour pouvoir postuler à la bourse, il faut d'abord passer par l'admission. Et lorsque vous passez par l'admission, vous allez remplir directement sur le site que vous voulez une bourse. Voilà, donc ici, pour le processus, voici les étapes. Donc, notre étape 1, c'est de faire quoi? C'est de s'enregistrer sur le site. Donc, je vais revenir tout à l'heure dessus. Vous allez avoir votre mot de passe, vous allez entrer sur le projet pour pouvoir remplir vos éléments. Vous allez remplir le formulaire en ligne, vous allez remplir les informations de recommandation. Là, ce sont les règles de la lettre de recommandation. C'est la lettre de recommandation, vous allez remplir cela. Et vous allez payer aussi des frais. Donc, comme vous voyez ici, étant donné que les frais ne sont pas assez élevés, voilà, vous allez payer ces frais-là. Les documents de candidature, vous allez mettre en ligne, envoyer les informations de candidature après confirmation, après avoir confirmé les informations téléchargées, cliquez sur envoyer pour terminer le processus de candidature. Donc, lorsqu'on va aller sur le site, je vais vous montrer tout ça, comment ça se passe. Et à l'étape 7, enquête sur l'état de votre demande, vous pouvez aller sur le site pour aller voir si vous avez, si vous êtes admis ou pas. Et documents requis pour la candidature, veuillez d'abord vérifier si le département auquel vous souhaitez postuler accepte les candidatures. Voilà, donc accepte les candidatures d'étudiants étrangers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire les mathématiques, vous devez d'abord vérifier est-ce que les mathématiques veulent des étudiants étrangers. Si ce n'est pas le cas, alors vous changez et vous trouvez une autre faculté pour pouvoir postuler. Voilà, donc ici, ça concerne un peu les documents à préparer. Une copie du formulaire de demande d'admission, voilà, et du système, une copie du système de candidature en ligne pour étudiants étrangers du Bureau des Affaires mondiales. Alors ça, ce n'est pas grand-chose. Et voici un peu le document. Vous pouvez lire là. Vous allez voir un peu le document. Ce qui est intéressant, c'est ça concerne, ce sont les éléments concernant le doctorat et le master. Voilà. Donc vous pouvez lire là. Et puis vous allez trouver comment ça se passe. Et puis vous allez trouver aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir postuler à cette bourse. Ici, confirmation de l'éligibilité pour les étudiants étrangers diplômés. Donc, si je clique là, on va voir un peu le style d'éligibilité. Ok, je crois que c'est assez de choses. Les étudiants étrangers qui postulent pour étudier au Canada sont limités à une seule fois pour les cours inférieurs au baccalauréat. Les étudiants étrangers qui demandent à étudier à Taïwan pour étudier au niveau du baccalauréat ou en dessous restent en Chine pendant moins d'un an, abandonnent l'école et perdent leur statut d'étudiant pour une raison quelconque. Peuvent présenter une nouvelle demande pour étudier en Taïwan. Ok. Ici, les précautions, nous, on n'en a pas besoin. Donc, on va aller rapidement pour aller chercher à postuler à cette admission-là et aussi chercher à postuler à la bourse. Voilà. Donc, ici, je viens là et je vais sur. Je viens là, futur étudiant, et je vais sur information de candidature pour étudiants étrangers. Donc, arrivé là, je vais sur le lien que je vous avais montré là. Voilà, et comme vous le voyez bien, la date limite c'est le 30 septembre 2022. Donc ça veut dire que vous avez au moins 52 jours ou bien 51 jours, voilà, pour pouvoir postuler à cette bourse là. Donc ça a commencé depuis le 1er août, nous sommes aujourd'hui le 8 août. Donc il vous donne un mois ou bien 51 jours pour pouvoir postuler à leur bourse. Alors moi je viens dans l'application ici, apply ici, voilà, et de là pour pouvoir postuler ici application, vous allez d'abord forcément vous enregistrer d'abord sur le site. Et lorsque vous finissez de faire votre enregistrement, c'est en ce moment-là que vous pouvez maintenant essayer de remplir pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc si moi je vais dans register ici, je vais d'abord essayer de m'enregistrer et puis par rapport à cela, je vais postuler maintenant à la bourse. Donc, ici, je m'enregistre rapidement. Essayez de faire comme moi, c'est pas compliqué. Ok, mon password.
le passeport, si vous voulez, vous prenez ce qu'il y a là, mais vous voyez que c'est un peu compliqué, peut-être que vous allez oublier après. Donc, vous créez votre password, c'est pas un problème. Il n'a pas donné les conditions sur le password, donc j'espère que ça va passer. Voilà. Ok, donc ici vous mettez le captcha qui est là. Il croit que c'est 05, s'il voit bien 0567. Donc vous mettez 0567. Voilà, et vous faites submit. Voilà, donc on va voir et puis on va comme ça essayer. Vous avez vu ici, ils ont mis success. Ça veut dire que ça a été bien fait. Donc là maintenant, je vais aller dans mon compte sur ma boîte mail pour aller voir le message que j'ai reçu. Ainsi, je pourrai maintenant essayer de confirmer et venir ici directement pour m'insérer là. Parce que si j'ai fait par exemple, on va vérifier si ça passe. Si j'ai fait par exemple un login ici, vous voyez, ça me renvoie directement sur les plateformes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, on peut commencer déjà à pouvoir remplir et pouvoir travailler directement. C'est-à-dire que ici, pour cette plateforme-là, vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre mail. C'est vrai qu'ils vont vous envoyer un message, mais vous n'êtes pas obligé d'aller voir là-bas pour pouvoir postuler. Voilà. Donc ici, c'est le Spring 2023 Application Deadline for Guideline for Student. Et pour ceux, par exemple, comme ça, qui veulent voir un peu comment ça se passe, comment on fait pour remplir et tout ça, vous pouvez venir là. Vous allez regarder, vous allez télécharger ce document-là, et par rapport à ça, vous allez regarder aussi quelle est la procédure. Mais seulement, on va espérer que c'est en anglais. Voilà, sinon, si c'est en chinois, vous allez abandonner aussitôt que possible. Voilà, c'est en anglais. Donc, vous pouvez lire là et puis essayer de voir comment est-ce que vous allez faire. Application are following the bachelor programs must complete and upload the required process. Subject as listed below. How long with the admission application before the deadline? Example, the application of the Department of Power Mechanical Engineering must be completed the process of physics and calculus. Please note process can be downloaded from the online system after you fail. Ok, donc ici on va d'abord essayer de postuler à ces éléments-là. Voilà, donc les éléments qui sont possibles. Ici, par exemple, comme ça, on nous dit que pour le bachelor, les éléments dont les facultés que vous pouvez postuler, ici on dit, exemple, the applicant of Department of Power Mechanic must be completing the practice of physics and calculus. Please note, practice can be downloaded from the online system. Voilà, donc, c'est-à-dire que ici, en physique et en calcul, voilà, vous allez pouvoir télécharger là-bas en ligne et pouvoir remplir directement. Donc ici par exemple comme ça, on va aller rapidement pour aller chercher à faire quoi, à remplir notre formulaire qui est là et essayer aussi de postuler. Donc ici comme ça on dit, please read the application guideline carefully because starting your application. Donc any requirement regarding to program requirement document, please contact the program and department which is listed in the guideline for accurate. Ok, donc on va télécharger pour Spring 2023 et à partir de cela on va pouvoir voir un peu les programmes qui sont là-bas. Donc on va espérer seulement que il y a aussi l'anglais, sinon si c'est en chinois on va abandonner sur le champ. Ok, donc je vais voir rapidement les éléments dont on a besoin. Donc, si vous remarquez très bien ici, par exemple, comme ça, application fee, the total amount of apply programs, the total amount for apply fee. Donc, les application fee, c'est-à-dire les frais de dossier. Donc, si vous appliquez pour un seul élément, si vous appliquez par exemple comme ça pour un seul programme, alors ça fait 2000 par rapport à leur monnaie. Et si vous appliquez 2000 par rapport à leur monnaie, ça fait combien? Si je viens là, 2000 par rapport à leur monnaie en euros, ça fait 65 euros. Voilà. Donc, si vous appliquez pour une seule faculté, c'est 65 euros. Si vous appliquez pour deux facultés, c'est toujours 65 euros.
Mais si vous appliquez pour 3 facultés, alors ça fait 4 000 euros. Si vous appliquez pour 4 facultés, ça vaut aussi 4 000 dollars taïwanais. Vous comprenez? Voilà. Donc, et ils disent que pour les Ukrainiens, c'est gratuit. Ok, ça, on connaît, on sait ça déjà. Ok, donc, à part de cela, maintenant, on peut savoir, vous savez déjà un peu quels sont je vais dire comme ça, quelles sont les filles que vous devez mettre en ligne. Et puis, quand je dis filles, c'est les frais du dossier, c'est 105 euros. Donc, pour ceux qui veulent postuler, 105 euros. Si vous pensez que vous ne pouvez pas postuler, alors vous devez comme ça essayer de trouver une autre bourse. Donc ici vous allez voir un peu les équipements. Je ne veux pas que la vidéo prenne assez de temps. Je crois que je vais faire une vidéo spécialement sur ça. Et puis essayer aussi de vous montrer comment est-ce qu'on postule grâce à cela. Donc je vais m'arrêter là. Voilà. Sinon vous pouvez venir directement ici pour pouvoir essayer de postuler. Voilà. Une fois que vous mettez l'élément en ligne, ici ça sera en vert pour dire que c'est done et puis c'est fini. Avant de pouvoir faire un start ici, donc vous allez cliquer là directement pour faire un start online application. Et ainsi vous allez voir quels sont les éléments dont vous avez besoin. Donc si je clique là directement, vous pouvez aller ici, c'est juste vous montrer un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et tout. Parce que ça c'est le guideline. Pour ceux qui veulent vraiment postuler, ça c'est le guideline. Si vous voulez, vous pouvez essayer aussi de pouvoir lire et puis remplir. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez remplir directement, vous commencez directement. Mais de toutes les façons, moi je vais essayer d'enregistrer cette vidéo là et puis je vais vous montrer aussi ici comment est-ce qu'il faut postuler. Donc les gars, à tout à l'heure et puis à plus en même temps.